très heureux de vous retrouver dans ce nouveau créneau horaire. Vous le savez donc, désormais, entretien avec, c'est tous les jeudis à partir de 21h et en rediffusion les lundis 22h30, mercredi 14h30. Des préparatifs de l'échec ou alors des préparatifs de la CAN 2019 et des raisons de l'échec de l'organisation de cet événement sportif au Cameroun, malgré les assurances données par le président de la République. Il en sera grandement question ce soir. On tentera avec notre invité d'identifier les goulots d'étranglement et surtout dégager les responsabilités des personnes physiques ou morales qui ont conduit à cet impair. Et si le sujet est rapidement vidé, nous aborderons aussi d'autres questions d'intérêt majeur. Crise anglophone et identité nationale, transport urbain de masse au Cameroun, Camerco et qui sait peut-être la production musicale. Il s'agit pour l'essentiel des domaines dans lesquels l'invité de ce soir a fait preuve d'expertise. Vous l'aurez compris, mon hôte est une personnalité multidisciplinaire à l'origine. Universitaire, il est enseignant titulaire et chargé de cours à l'université de Yaoundé 1 depuis l'année 2011 où il enseigne l'anthropologie et le management. Titulaire d'un doctorat PhD en ethno-archéologie de l'université Yaoundé 1 et d'un MBA de Robert Kennedy Université de Zurich. Éloi Cyril Tolo est également diplômé d'un master de l'Université de Genève et d'un diplôme de spécialisation en paléthnologie africaine de l'Université libre de Bruxelles. Il a par ailleurs été conseiller spécial auprès du directeur général de la Camerco. Sur le plan politique, Cyril Tolo est membre de la coordination de l'équipe de campagne de Aminatou Ahidjo en faveur du candidat Paul Biya à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Trésorier de la sous-section ADPC Val-de-Marne, France, entre 2002 et 2007, militant donc du Rassemblement démocratique du peuple camerounais depuis 1990. Dans les milieux du sport, notamment le football, on l'a vu coordonner la campagne du candidat Robert Péné à la présidence de la FECAFOOT en 2015, puis en 2019. Cyril Tolo a commis quelques livres, j'en cite quelques publications, pardon. J'en cite donc quelques-unes. En 1997, sur l'apparition de l'économie de production en Afrique centrale. En 1998, l'origine de la métallurgie du fer en Afrique subsaharienne. 2014, essai d'identification des groupes culturels et d'un cadre chronologique de l'âge du fer au Cameroun. 2016, fruit des ateliers paléosidérurgiques des Ligues Zogo, Philadelphia et implication sur le développement de la métallurgie du fer au Cameroun méridional. Il y en a bien d'autres, hein. Quelques récompenses, Palme d'or de l'excellence africaine 2006, Étoile d'or du marketing 2007, révélation du meilleur site internet 2007 également. Cyril Tolo, bonsoir. Bonsoir. J'avais dit bonsoir. Ouf. Quelle, quelle biographie. Ça va avec l'âge. Ah, ça, bon, on n'a pas beaucoup parlé. Bon, si vous le voulez bien, commençons par la CAN. Et peut-être, je vais le dire sous fond d'information, vous le savez peut-être. En ce moment, il y a quelques ouvriers et employés du stade Olympique de Yaoundé qui sont en grève. Vous êtes surpris? Non, je ne suis pas surpris parce que ça fait partir des goulots d'étranglement dont nous allons parler ce soir. Et probablement que Yaoundé ne sera pas le dernier cas, parce qu'il y a pas mal de soucis en ce moment, notamment au niveau des paiements, parce qu'il y a des décomptes qui n'arrivent pas à la présence de la République, pratiquement 2 mois. Les décomptes étaient bloqués au niveau du ministère des Sports, dont les entreprises ne sont pas payées. Toutes les entreprises qui interviennent dans la CAN en ce moment ont des difficultés parce que les paiements n'arrivent pas à temps. Depuis novembre, vous dites? Pratiquement depuis 2 mois. Ça peut s'évaluer à quel montant? Mais je ne connais pas exactement le montant des décomptes, mais c'est 1 milliard. C'est 1 milliard de francs, voilà, c'est 1 milliard de francs. Et surtout pour ces entreprises internationales dont les paiements se font à l'étranger, c'est encore beaucoup plus difficile si les décomptes n'arrivent pas à temps. Parce que lorsque les décomptes arrivent, les décomptes sont transmises par le ministère concerné à la présence de la République. La présence de la République vérifie leur régularité, renvoie le dossier au ministère des Finances, qui saisit la caisse autonome, et c'est la caisse autonome qui saisit la banque étrangère. Voilà, la caisse autonome d'amortissement qui saisit la banque étrangère. Là, c'est des banques italiennes, n'est-ce pas, de payer l'entreprise Piccini. Mais avec des retards pris dans
n'est-ce pas, le secteur des décomptes, c'est pas surprenant. Alors, on va aller pas à pas. Ben, j'observe que c'est une question sur laquelle vous vous exprimez énormément, notamment sur les réseaux sociaux. Êtes-vous, de près ou de loin, associé, impliqué ou concerné par ce dossier? Comme tous les Camerounais. Moi, c'est tellement moins que les autres. Hein. Je veux dire. Oui, mais alors, vous avez bien fait de dire que j'ai été le coordonnateur de la campagne, de l'équipe, de l'équipe campagne de M. Péné Robert à la présence de la Fédération Camerounaise de football en 2015. Je l'ai été encore en 2018. Et en tant que coordonnateur de sa campagne, j'avais le devoir de préparer les dossiers, parce que nous étions sûrs de remporter cette élection. Enfin, vous savez ce qui s'est passé en 2015. Donc c'est depuis 2015 que personnellement, je travaille sur ce dossier de la CAN et j'ai travaillé avec beaucoup d'administration parce qu'il fallait préparer les dossiers pour que lorsque M. Péné Robert arrive à la tête de la fédération, eh bien que le dossier CAN fasse partie de ses priorités. Pour mieux nous situer, quand vous dites vous travaillez, c'était à quel niveau, à quel degré, avec qui? Alors, à quel niveau, à quel degré? Avec les responsables dans différents ministères, au niveau du ministère des Sports, au niveau du ministère de la Communication, au niveau du ministère des Marchés, au niveau du ministère des Travaux Publics. J'ai rencontré des responsables pour comprendre le dossier, pour savoir quelle était son évolution, de manière à mieux informer le président candidat, qui était M. Péné Robert. Naturellement, ceci m'a permis d'avoir accès à une information stratégique. Vous imaginez, lorsque vous rencontrez un directeur ou le secteur général d'un ministère, vous avez la primeur de certaines informations. Et vous dites 2015, je présume que c'est sensiblement quelques mois après l'octroi de la CAN 2019 par la CAF au Cameroun, parce qu'on l'a obtenu en 2014. Exactement, en septembre 2014. Alors, sur votre page Facebook, en décembre, si j'ai bonne mémoire, le 9 décembre 2018, vous avez publié un post. Ouais, tout à fait. Je vous cite. Camp 2019, troisième mi-temps de la présidentielle, l'histoire des tontons flingueurs. Sommes-nous dans un rodéo? C'est pas un film. Mais oui, le titre peut être laconique, mais le fond du problème est sérieux. Le fond du problème est sérieux. En fait, je m'étais rendu compte qu'il y avait une agitation dans les réseaux sociaux, entretenus par certains bouffeurs. Absolument. Voilà. Qui sont basés à l'étranger, qui animent certaines plateformes sur les réseaux sociaux, et qui accusaient un certain nombre de personnes d'être responsables de la déconvenue que nous venons d'avoir. Lorsque le 30 novembre 2018, le président Ahmad déclare que le Cameroun n'organisera plus la CAN 2019. Alors je m'étais attendu que tous les Camerounais se retournent vers la CAN, vers la CAF, parce que je trouvais cette décision illégale et injuste. Illégale et injuste. Mais, curieusement, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui entretenaient un esprit accusateur. Et ces accusations allaient tout droit vers certains collaborateurs du chef de l'État. Mais comme je connais le dossier, puisque je travaille sur le dossier depuis 2015, les collaborateurs du chef de l'État sont arrivés tardivement dans le processus. Ce n'est pas à eux qu'incombait la responsabilité d'organiser la CAN 2016, d'organiser la CAN 2019. En fait, c'est des pompiers. C'est des pompiers qui arrivent pour essayer d'éteindre le feu. Et du coup, ce sont ces pompiers qu'on a voulu transformer en pyromanes. Bon, j'observe de suite que, peut-être vous souvenez encore le dossier, vous parlez des collaborateurs, je voudrais rappeler, toujours pour remettre nos téléspectateurs en contexte, qu'effectivement, après le retrait, ou alors, pour me mettre au pas du vocabulaire qui est utilisé en la matière, après le glissement de la CAN de 2019 à 2021, il y a notamment le secrétaire général président de la République, le ministre des Sports, le ministre des Finances, et leurs collaborateurs qui ont travaillé tout autour, conseiller technique chargé des affaires économiques à la présidence, bref, un certain nombre d'autres responsables qui ont été, le ministre des Marchés publics, l'ancien, qui ont été nommément cités comme étant les goulots d'étranglement. Je présume que vous faites allusion à cela. Oui.
dans ce cas, qui flingue qui dans ce dossier? Mais dans ce dossier, ceux qui sont flingués, si vous regardez, c'est trois personnes. C'est le ministre d'État Ferdinand Gongo, à l'époque ministre. Absolument. Secrétaire général de la présidence de la République. C'est le ministre Séraphin Fouda, secrétaire général des services du Premier ministre, et un collaborateur du secrétaire général de la présidence, qui est M. A.M. Manger, qui doit être un conseiller, conseiller technique en charge des affaires économiques. Voilà les trois personnes qui sont flinguées. Et qui sont flinguées par qui? Qui sont flinguées par des membres du gouvernement. Les membres du gouvernement qui instrumentalisent un certain nombre de personnes et entretiennent deux idées. Ou contribuent tout au moins à entretenir deux idées. La première idée, c'est que le chef de l'État est incapable de gérer le Cameroun. C'est pour ça que ces projets n'aboutissent pas. La deuxième idée, alors naturellement, s'il est incapable de gérer le Cameroun, que ces projets n'aboutissent pas, il faut le remplacer. La deuxième idée, qui est subrepticement introduite, c'est que, et qui est entretenue, c'est bien connu, par certains partis d'opposition, dont les acteurs, dont les collaborateurs ou les membres sont de connivence avec ces ministres, c'est le problème de l'illégitimité ou de la supposée illégitimité du président de la République. C'est vrai qu'il y a un parti d'opposition qui est... MRC, pour le citer, qui parle d'ailleurs du hold-up électoral. Voilà, qui continue de parler du hold-up électoral, mais nous connaissons la vérité. L'écart était tel que ce parti ferait mieux de se concentrer sur les législatives qui arrivent plutôt que de continuer à parler... Alors, autre observation, vous avez bien cité ceux que vous considérez comme des victimes. Le ministre d'État SGPR, le ministre SGPR, et vous refusez de citer ceux que vous considérez comme les flingueurs. Dans ce cas, si les trois-là sont des victimes, qui sont les bourreaux? Les bourreaux, ils se reconnaissent. Alors, je vais citer de manière institutionnelle. Parce que, et moi, je m'amuse à mettre les noms et vous inciter à dire et aller plus. Mais, enfin, les bourreaux, pour ceux qui ont suivi la réunion que le Premier ministre a organisée après la décision, la réunion du Comipcan, que le Premier ministre a organisée. Comintam, comité interministériel. Pour l'organisation de la CAN 2019. Voilà. Des CAN d'ailleurs. Des CAN. Voilà, 2016 et 2019. Voilà. Féminine, et voilà. Voilà. Le Premier ministre a réuni tout le comité. Et là, il y a des ministres qui se sont exprimés. Et malheureusement ou heureusement, il y a eu des fuites. L'un des ministres, n'est-ce pas, a nommément accusé le secrétaire général de la présidence de la République d'être responsable des blocages. Et de ces fuites, on a retenu que c'était le ministre des Sports et de l'Éducation physique, à l'époque, Pierre-Ismaël Bidoumpap, désormais ministre de la Culture, des Arts et de la Culture. C'est vous qui le dites. Mais l'information est vraie puisque ça s'est retrouvé dans les réseaux sociaux. Je n'invente pas. Le deuxième ministre qui intervient dans cette réunion s'est plaint du fait que on lui demande de faire beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la CAN. On lui demande de construire des autoroutes, on lui demande de construire des aéroports, on lui demande d'acheter des avions, on lui demande de construire des hôpitaux généraux, et que tout ceci n'aurait rien à voir avec la CAN, et que d'ailleurs, il faut auditer les marchés de la CAN. Vous imaginez, un acteur lui-même, qui demande d'auditer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acteur pense qu'il y a des problèmes. Mais sauf que c'est l'un des acteurs majeurs. Et de ces fuites, on apprendrait également que c'est le dernier ministre des Finances du gouvernement Yang, et c'est aussi le ministre des Finances du premier gouvernement Dion Goûté. Vous ne voulez pas parler du ministre Louis-Paul Mbotazé? Ben, je voulais vous laisser dire, j'ai fait semblant. Je voulais vous laisser cette fois-là prononcer son nom. Bref, tout cela s'est retrouvé dans les réseaux sociaux. Absolument. Mais ça dénote de quoi? Ça dénote, premièrement, de
l'irresponsabilité de ces personnes. Je parle, je pèse mes mots. De l'irresponsabilité. Pourquoi l'irresponsabilité? Il y a un sacro principe dans un gouvernement, c'est le principe de la solidarité gouvernementale. Le principe de la solidarité gouvernementale. En plus, il n'avait pas à pointer de doigt accusateur à qui que ce soit. Parce qu'en réalité, M. Dipita Tongo, on commence les travaux de la CAN 2019 quand? Mi-2017 qu'on commence à construire Japoma, qu'on commence à construire Olimbe. Mi-2017. Mais à la fin du mois de novembre 2018, toutes les infrastructures sont sorties de terre. Tous les chantiers ont atteint leur vitesse de croisière. La preuve, j'en veux pour preuve, Benamou Sadi est achevé, Mbappé Lépé est achevé, Agarwa également, les stades dont s'occupe Potomac, lui aussi, hein, soyez pas surpris. Oui, si vous entendez des mecs qui agrèvent, il n'a pas d'argent, le mec. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Mais il a quand même fait des efforts. Tous ces chantiers sont en cours d'achèvement. Olimbi est couvert. Il faut aller à l'intérieur pour voir ce qui se passe. Japoma également. Montaigne-Guil. Alors, tous les chantiers avaient avancé. Le taux d'avancement était entre 70 et 80%. Mais les ministres, le gouvernement devait normalement être fier de ce qu'ils ont pu faire en un an. Moi, j'aurais dit au ministre Motazé, monsieur le ministre, bravo. Au ministre Bidoumpat, monsieur le ministre, bravo. Au ministre Mbwenchou, même s'il n'est plus là aujourd'hui, bravo. Vous vous êtes battus. Vous êtes battus comme des vrais lions. Mais que non. On a commencé à chercher les boucs émissaires, n'est-ce pas, de l'échec, et qu'on allait jeter en pâture. Parce que vous savez que le retrait de cette CAN, M. Dipita, ça a été une véritable humiliation pour notre pays. Et vous vous souvenez également que dans ma page Facebook, j'avais dit que j'allais saisir le TAS. J'allais saisir le TAS. Mais plutôt que de s'en prendre à la CAF, qui injustement nous a punis, pas parce que nous avons fauté, mais parce que nous avons fait une faute, puisque on ne retire pas un événement, notamment la CAN, par rapport à ce que dit cet ex 7 mois avant, puisque nous sommes obligés de leur livrer les infrastructures 3 mois avant. Alors, mais c'est injuste qu'on nous retire la CAN 7 mois avant. Mais ces ministres, comme tout le peuple camerounais, on devait s'en prendre à qui? On devait s'en prendre à la CAF. La décision de la CAF, je l'avais dit dans une autre émission, était illégale et elle était injuste. Mais au contraire, on s'en est pris à certaines personnes. À certaines personnes. Pour faire quoi? Pour fragiliser en réalité le chef de l'État. Lorsque vous en prenez au collaborateur du chef de l'État, qui est le ministre secrétaire général de la présidence, mais tant qu'il a la confiance du chef de l'État, respectez au moins cela. Donc, ces personnes n'ont pas respecté le principe de solidarité gouvernementale des deux. À partir du moment où tout s'est retrouvé dans les réseaux sociaux, nous avons eu tous ces messages sur WhatsApp, sur Facebook. Ça veut dire qu'ils ont décidé de laver le linge sale en public. Oh, ce linge sale, vous connaissez le proverbe. Je vais peut-être faire deux observations. C'est que la réunion, d'abord, était à huis clos. Et comme vous avez dit, il y avait des fuites. Bon, maintenant, c'est la huit clos posée par le Premier ministre. Je présume que c'est une réunion, comme disent les jeunes, d'action et de vérité, où on se regarde dans les yeux et on se dit clairement ce qui n'a pas marché, ce qui pourra aller de l'avant pour corriger les imperfections qui ont été observées. Mais à partir donc de là, on peut être en droit de penser que ces ministres étaient dans leur rôle de dire exactement, de toucher du doigt les points qui étaient les points faibles. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Vous avez vu un gouvernement où les dissensions n'existent pas? Vous avez vu une organisation avec des hommes, enfin, hommes avec grand âge, où des dissensions n'existent pas? Mais les problèmes d'un gouvernement se règlent à huis clos. Le linge sale se lave en famille. Mais vous voulez dire que la fuite a été organisée? Je rappelle, parce qu'il y a des noms, des personnes sont vivantes, et plein de personnes sont sur les réseaux sociaux.
Donc, je pense qu'on cite des personnes qui peuvent se reconnaître. Je rappelle que, sauf si quelqu'un d'autre l'aurait fait avant, ce qui peut être considéré comme une fuite, la révélation des échanges qui se sont faits au cours de cette réunion est venue du président du MECAM, du moins l'une des plus véhiculées, Daniel Claude Abaté. Donc vous dites que M. Abaté a joué de complicité avec les tontons flingueurs pour s'en prendre aux trois personnalités que vous désignez comme les victimes. Je ne peux pas être péremptoire, mais le problème c'est qu'il était là. D'accord. Il avait assisté à cette réunion. M. Abaté est un responsable de haut niveau. Il sait que ce genre d'informations, on ne les met pas sur la place publique parce que ça aura un effet dévastateur. Il a pris un très grand risque. Alors la question que je me demande, M. Abaté l'a-t-il fait de sa propre initiative, ou alors il s'agit, et quand je regarde de très près, il s'agit d'une machination qui est très très bien orchestrée, parce que qu'est-ce que cela a permis? Cela a permis que le débat se retrouve sur la place publique. Alors maintenant que le ministre ne peut plus se laver en cachet, sur la place publique, d'accord, mais alors que ce lavage soit équitable, que ce lavage soit équitable. Donc, allez, excusez-moi, allez-y. Justement, que ce lavage soit équitable et que les responsabilités soient justement, justement, dans la justice, dans la justesse, que les responsabilités soient établies. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Du coup, on a transposé ou transporté les responsabilités et les faire adosser sur certaines personnes. Alors, vous dites que les fuites, bon, que les révélations soient équitables. En d'autres termes, si le ministre d'État, du moins, à l'époque ministre, SGPR, a fauté, si le ministre secrétaire général SGPM a fauté, il faut également qu'on dénonce les fautes du Minfir, ministre des Finances. Tout à fait. Qu'on dénonce les fautes du ministre de l'Urbanisme. Tout à fait. Du ministre des Marchés Publics. Vous voulez que j'en cite? Bon, alors ce qu'on va faire. On va y arriver, hein, puisque j'ai dit qu'on va essayer de mettre du toucher du doigt exactement et dégager les responsabilités. On obtient la CAN en septembre 2014. Tout à fait. Entre septembre 2014 et 2017, rien ne bouge, vous le dites. Pour la CAN masculine. Oui. Mmh. Quelle est l'ossature, quelle est l'organisation qui est mise en place pour lancer les travaux, pour exécuter des chantiers? Alors, je vais vous parler de la réactivité du président de la République. D'accord. Septembre 2014, le Cameroun obtient la CAN majeure, donc la CAN des garçons, pour 2019, et la CAN mineure, la CAN des filles, pour 2016. Mais c'est quoi le problème en réalité? Depuis 43 ans, le Cameroun n'a plus organisé un événement majeur. C'est pas en relation avec le football. Octobre 2014, le président de la République crée le Comipcan. Quel est le rôle du Comipcan? Le rôle du Comipcan est de construire les infrastructures et de s'occuper de l'organisation de la CAN 2016 et de la CAN 2019. Absolument. Dans ce dispositif institutionnel, la présidence de la République n'apparaît nulle part. Nulle part. Si je dois parler en termes de management de projet, le chef de l'État a déjà organisé son projet avec une instance stratégique, qui est la présidence de la République, donc qui donne des orientations, qui détermine la vision, et une instance opérationnelle, qui est chargé de mettre en œuvre, d'exécuter le gouvernement. La présidence n'intervient donc pas dans la réalisation. Mais sauf que qu'est-ce qui se passe, monsieur Dipita Tongo? J'ai avec moi ici le budget, la loi de finances de 2015. La loi de finances de 2015. Voilà. Cette loi de finances, je fais du management de projet, monsieur Dipita Tongo. Vous savez, un projet a des composantes. Un projet, c'est délivrable. Délivrable.
Et nous avions à l'époque, vous le savez, des problèmes d'infrastructure. Il fallait des infrastructures. Un projet, c'est un budget. Absolument. Alors je me suis dit, ben tiens, si nous avions la CAN pour 2016, ça veut dire que 2015, le gouvernement a prévu un budget. Absolument. Voilà. Et je dis, ok, je vais voir combien le gouvernement a prévu. Voilà. Je suis là sur la page du ministère des Sports et de l'Éducation physique. C'est bien 2015. Monsieur le député Tongo, tenez-vous tranquille. 135 698 000 francs CFA. Prévu, pourquoi ? Développement des infrastructures. Le ministère avait 135 milliards. Je rappelle qu'à l'époque, il y avait le PENDIS aussi, hein, le programme national de développement des infrastructures sportives. Je ne sais pas si vous voulez qu'on revienne là-dessus. Non, allons-y, poursuivons d'abord là, pour ne pas perdre. Alors, ce qui se passe donc, c'est qu'ils ont 135 milliards. Absolument. S'ils ont 135 milliards pour le développement des infrastructures sportives, je suppose que c'est pour la CAN. Je suppose. Mais le problème, c'est que jusqu'en décembre 2015, il n'y a pas un seul chantier qui est lancé. Pas un seul. À quoi a servi cet argent? Vous savez, infrastructure sportive, c'est assez large. Mais vraisemblablement, ce n'était pas prévu pour la CAN 2016, encore moins pour la CAN 2019. Puisque jusqu'en décembre 2015, aucun chantier n'existe. C'est lorsque le chef de l'État se rend donc compte de cette inertie qui est liée à quoi? Un manque de motivation, qui est liée également à ce manque d'engouement, que le chef de l'État, voyant les enjeux, le Cameroun va-t-il être humilié? Demande au ministre secrétaire général, chef de l'État lui-même. Absolument. Demande au ministre secrétaire général, vous voyez à quel moment le ministre secrétaire général entre en jeu, décembre 2015, de créer un comité à la présidence de la République où toutes les administrations qui interviennent dans la CAN doivent désormais se réunir. C'est la task force. Mais je veux dire que le chef de l'État ayant constaté la défaillance des personnes, pas des institutions. Des personnes, bien sûr. Il aurait pu procéder par un changement aussi. Oui, mais ce n'est pas nous qui imposons le calendrier politique. C'est le sujet suivant, d'ailleurs. Ok. Alors, la task force naît, vous dites, en 2017. Décembre 2015. 2015. Oui. Ok. Avec pour mission de sauver rapidement la CAN féminine qui devait se tenir en juin 2016. Et vous savez ce que la task force va faire? Le président de la République? Non, du tout. On avait attribué des marchés. Vous vous souvenez qu'une entreprise chinoise avait tous les marchés d'infrastructure de la CAN à Yaoundé. Le stade Amadou Ahidjo, les deux stades annexes numéro 1 et numéro 2, le stade militaire. Je parle de Sino Hydro. Absolument. Et ils vont utiliser une technique qui existe en management de projets qu'on appelle le saucissonnage. Ils vont rompre ce contrat. Ils, c'est-à-dire ? La présence de la République. D'accord, la task force. Okay. Peut-être pas la task force, c'est la présidence de la République. La task force n'en a pas les capacités parce que la task force, c'est des fonctionnaires qui viennent de tous les ministères, qui se réunissent et c'est eux qui proposent au secrétaire général. En dehors de la task force, qui d'autre s'occupe de cela à la présidence de la République, si ce n'est le président? Je ne comprends pas très bien votre question. Parce que vous dites, ils vont saucissonner les projets. Oui. Et je demande, la task force me dit, peut-être pas. Non. Mais vous insistez en disant... Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. D'accord. La task force fait des propositions okay. au secrétaire général de la présidence. Et qu'est-ce qu'ils disent? Nous sommes à 6 mois de la CAN. Sinon, Hydro a tous les marchés, rien n'avance. Ce que nous devons faire, monsieur le ministre, pour sauver la CAN, c'est de rompre le monopole de Sino Hydro et de faire de ce qu'on appelle le saucissonnage, faire des petits lots, donner à plusieurs entreprises... Et en même temps, faire une deuxième technique en management de projet, qui est la parallélisation. Comme ça, vous avez vu au stade Omnisport, en même temps que Arab Contractors était en train de travailler sur le gros œuvre, il y avait une entreprise française qui installait les sièges. Absolument. Et Arnaud s'occupait d'autres lots.
de l'eau électronique, électrique, ainsi de suite. Voilà. C'est ça qui a permis de sauver la CAN 2000. Vous vous souvenez de ce que les journaux écrivaient à l'époque? Le Cameroun ne sera pas prêt pour la CAN des filles. Mais on a dû, vous voyez? Alors, quand on parle de glissement, on ne découvre pas ça. Il y a eu un glissement de date pour la CAN des filles, puisque finalement, elle a été organisée en octobre 2016. C'est la meilleure des CAN que l'Afrique n'a jamais organisée. Pour cette catégorie. Mais c'est grâce à qui? Grâce à la Tax Force. Mais tous les ministres ont tiré des lauriers. Tout le peuple camerounais était content, à la fois sur le plan organisationnel, événementiel, grâce au ministre Bidoumpat qui s'occupait de l'aspect événementiel. Les financements étaient disponibles. Je crois que le ministre Motazé devait être mis de patte à cette époque. Mais tout le monde, toute l'administration, le gouvernement s'est mobilisé comme un seul homme. Et nous avons réussi cet événement. Alors, le chef de l'État devait-il changer de dispositif? Mais sauf que, entre-temps, la Tax Force est restée relativement muette. On a dit au gouvernement, vous avez maintenant la CAN des garçons, il faut avancer. Inertie. La Tax Force reprend encore les choses en main. Pourquoi? Monsieur Dipita Tongo, jusqu'au milieu de l'année 2017, il n'y a rien. Aucune étude n'est validée. Alors, ce que je veux comprendre, oui. Sans la coordination de la Tax Force, oui. L'inertie s'installe. On n'aurait rien fait. Avec la Tax Force, le dispositif ne change pas. Les mêmes responsables sont dans les ministères. Ils ne sont pas, ils ne changent pas. Mais le dispositif bouge. Alors, moi, ce que je veux comprendre, c'est qu'est-ce qui fait cette différence-là? Le ministre Bidoumpat est là, les autres ministres sont en place. Lorsque la Tax Force n'existe pas, inertie vous dites, mais avec la Tax Force, tout le monde se met en branle. Alors, parlons d'abord de l'inertie. Le chef de l'État, vous le savez, dans plusieurs de ses discours, a dénoncé l'inertie. Mais moi, j'ai essayé de pousser la réflexion théorique un peu plus loin, peut-être mon défaut d'universitaire, pour essayer de voir clair. Et j'ai identifié deux formes d'inertie. La première forme d'inertie est ce que j'appelle l'inertie de confort ou l'inertie d'intérêt. Je ne veux pas faire. Si je n'ai pas mon gombo, je ne fais pas. Je bloque. Le dossier de Pichini est resté 9 mois au ministère des Sports. Je vous en parle parce que j'ai rencontré l'ambassadrice de l'Italie qui est aujourd'hui en Centrafrique. Je suis, comme vous l'avez dit, expert en management de projet, dont je conseille également des entreprises. Elle était dépassée. 9 mois pour étudier techniquement le dossier. Ça, c'est l'inertie de confort. Des fonctionnaires avaient installé le péage. Vous ne venez pas payer, rien ne sort. Deuxième forme d'inertie, parce que la première est la plus pernicieuse, c'est celle qui bloque le développement de ce pays. Mais cette forme d'inertie, vous n'allez pas changer par décret. Mentalité. Tout à fait. Deuxième forme d'inertie, c'est l'inertie d'incapacité. Je ne sais pas faire. Qui est liée à la compétence. Voilà, qui est liée à la compétence. Ça pose donc le problème de la compétence de ceux qui sont en charge des projets. C'est pour ça que les projets n'aboutissent pas. Alors, comment une organisation qui est animée par des gens qui n'ont pas la compétence. La compétence, ce n'est pas la connaissance. Vous pouvez avoir la connaissance sans avoir la compétence. Mais comment ces gens-là peuvent être performants? La performance, c'est de pouvoir réaliser un projet à temps. Vous comprenez pourquoi aucun projet n'est réalisé à temps. Au Cameroun, hôpital de Saint-Mélima, pour construire 14 ans, monsieur Dipita Tongo, 14 ans pour construire l'hôpital de Saint-Mélima. Vous connaissez l'immeuble siège du Conseil économique et social à Yaoundé? Mais durant ces 14 ans, on n'a pas eu qu'un seul ministre. Hein. Mais l'incompétence n'est peut-être pas forcément à l'endroit où on pense aussi. Hein.
Non, c'est pour dire que le problème de la compétence se pose à tous les niveaux. Absolument. À tous les niveaux. Le Conseil économique et social, l'immeuble siège, c'est en construction depuis 15 ans. Environ une dizaine d'étages, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire un seul étage par an. Je peux vous multiplier des exemples. Le port de Kribi, les travaux sont finis en 2015. Il a reçu le premier bateau en 2018. Il s'est fait sur financement d'Exim Bank. C'est de l'argent que nous devons rembourser. Le volet achevé depuis 2016, monsieur Dipita Tongo, nous attendons toujours le premier mégawatt. Mekin, autoroute Yaoundé-Douala, il travaille depuis 2014. Vous savez à combien de kilomètres ils sont? 40 kilomètres en 5 ans. 40 kilomètres. On n'arrive pas à faire 10 kilomètres d'autoroute par an, monsieur Dipita Tongo. Il y a donc cette inertie qui est volontairement entretenue. En réalité, pour faire quoi? Pour faire échouer le chef de l'État. Pour faire échouer le chef de l'État. Parce que pour des raisons d'intérêt personnel, les gens sont capables de bloquer des causes nationales. Vous comprenez, monsieur le député? Et c'est ça l'un des problèmes majeurs de la CAN. Alors, et là j'interroge l'expert en management, et vous dites, évidemment, d'ailleurs c'est le constat, je veux dire qu'à la limite, la question est une lapalissade, oui, que ce projet a été mal géré. Ce projet a été mal géré, il a été sauvé par deux dispositifs que le président de la République lui-même a mis en place. Le premier dispositif, la Tax Force, avec pour mission, c'est 25 personnes hein, qui viennent de différents ministères, hein, plus de 5 ou 6, 7 ministères. Alors, mission de la Tax Force, faciliter, accélérer les procédures administratives. Accélérer les procédures administratives, optimiser les coûts. Optimiser les coûts et faire le suivi des chantiers. Ça, c'est la Tax Force. Un autre dispositif existe à la primature, l'UTO, l'unité technique opérationnelle. Le président de la République, c'est lui qui demande aussi la mise en place de ce comité. Pourquoi? Pour que les ingénieurs, ou chacun dans sa petite chapelle, dans son ministère, bloquent les études, se retrouvent désormais chez le Premier ministre, travaillent avec le secrétaire général du Premier ministre et donnent leur avis sur place. Voilà les deux mécanismes institutionnels qui ont fait avancer les projets, qui ont fait que, en réalité, si M. Hamad ne nous avait pas injustement retiré la CAN, nous aurions été prêts en mars 2019. Mais aujourd'hui, je ne suis plus sûr que nous serons même prêts. Enfin, on pourra toujours en parler si vous voulez. Alors, ce que j'observe, oui, avant mon observation, oui, la chaîne de télévision France 24, oui, chaîne française, oui, a récemment fait un mini documentaire, un petit reportage ou un grand reportage. Fiasco Cameroun Cannes, fiasco sur fond de gros sous. Fiasco sur fond de gros sous. Avec des indexations précises. Monsieur Dipita, je vais vous expliquer. Tout cela procède de la même machination en réalité. Quand j'ai écrit les tontons flingueurs, c'était quoi la première caisse de résonance? C'était les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux ont réussi à installer dans l'opinion l'idée que les collaborateurs du chef de l'État ont détourné des milliards, des centaines de milliards, 600 milliards, 1000 milliards, on n'arrive pas à donner le montant exact. On maintient le flou volontairement, mais c'est une fumisterie. Mais sauf que cela s'est installé dans l'opinion, au point où il y a un parti politique qui a même dit « Nous allons marcher à Douala pour qu'on arrête. » SDF, oui, qui annonce une marche pour le 26 janvier. Monsieur Dipita, que fait-on de la présomption d'innocence? C'est un député. Que fait-on de la présomption? Honorable Jean-Michel Nietzsche, mais je veux dire qu'en même temps, je pense que... Si vous permettez, je n'ai pas fini. Ça, c'était le premier point. Donc, ils vont par palier. Premier palier, installé au sein de l'opinion à travers les réseaux sociaux, l'idée selon laquelle les fourvoyeurs de la CAN sont connus, ce sont les collaborateurs du chef de l'État. Ils ont fait des marchés agré à gré, ainsi. Ils ont détourné des centaines de milliards. Deuxième étape, passer par les médias internationaux. La malhonnêteté de France 24. Vous avez vu les images qu'ils ont projetées des stades?
C'était des images qui dataient de 6 mois. Mais l'émission est passée le 11 décembre. 11 décembre, Olembe est complètement couvert. Japonais est complètement couvert. Mais ils ont montré des stades désossés. Désossés, c'était juste les structures métalliques. Pour montrer quoi une fois de plus? Pour montrer que le Cameroun, le président de la République, est incapable de faire ce chantier. Et pire, M. Dipita, dans cette émission, M. Brice Berthold, je ne le connais pas. Mais c'est lui le gourou de ces gens. Vous savez ce qu'il a annoncé? Qu'il y a eu un décaissement de 1200 milliards. Que le Cameroun a déjà décaissé 1200 milliards. M. Dipita Tongo, en 2019, le budget du Cameroun, c'était 4500 milliards. Là, nous sommes à 4800 milliards. Nous avons décaissé le quart de notre budget. Monsieur Dipita, voici la loi de finances. Ici, j'ai cherché une fois de plus. Il faut être factuel. Les 1200 milliards sont sortis d'où? Je dis qu'il y a quand même eu des emprunts, il y a eu des opérations. Il y a par exemple eu l'emprunt obligataire. 200 milliards. Oui, non. Non, 150 milliards. Non, ce que je veux dire, c'est que si vous vous basez sur le budget, oui, qui a été voté en décembre, voilà, en fin d'année 2017, pour être, oui, exécuté en 2018, oui, il est clair que avec tout ce qu'on a eu comme argent chez des partenaires pour soutenir ce projet. Je peux vous donner le montant. Allons-y. 400 milliards à peu près. 160 milliards, allons-y. C'est pas les stades, hein, parce que c'est des complexes. Hein, absolument, absolument. Complexes absolument, absolument. Ça aussi, il faut le dire assez. Voilà, c'est pas un stade. Ok. Voilà. Complexe, c'est-à-dire stade, hôtel, terrain d'entraînement. Hôtel, 4 étoiles. Souvent d'autres terrains de loisirs pour centre autre discipline. Absolument. Voilà. Les Italiens, c'est 160 milliards. Les Turcs, c'est 140 milliards. Nous sommes à peu près à 300 milliards. Les Canadiens, c'est une soixantaine de milliards. À peu près 360 milliards. Montaigil, les Portugais, à peu près 35 milliards. Nous sommes à peu près à 400 milliards de financements internationaux. Internationaux. Et ces financements représentent quoi? 80% des financements des infrastructures de la CAN. Ça sont les coûts au départ. Ce sont les coûts estimatifs des projets au départ. Non, 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 ce sont les coûts réels. Il faudrait juste ajouter la TVA, mais ce sont les coûts réels. Je vous donne les coûts réels. Déjà exécutés ou... Mais bien sûr. D'accord. Bien sûr. Parce qu'à la fin, je veux dire, après votre démonstration, je vais vous demander, à ce jour, oui, en termes de coûts, oui, quelle peut être l'évaluation réelle? Oui. Qu'est-ce que ça nous a coûté? Oui. Depuis si la pose de la première pierre. Je finisse quand même. Allons-y. Nous sommes là à 400 milliards, ça représente 80%, n'est-ce pas, du budget d'infrastructure de la CAN. Mmh. Il y a l'emprunt obligataire, 150 milliards, dont une partie devait servir à la CAN. Là-dedans, vous prenez Potomac, c'est 26 milliards. Vous prenez les SEMEC qui est à Bafoussam, c'est à peu près le même montant, 25 milliards. Et puis vous avez 2ME à Douala, c'est 5 milliards. On n'est même pas à 100 milliards. En réalité, pour les infrastructures sportives, je dis Pita Tongo, on est à peu près à 380-400 milliards. Ça, en réel, pas en supposé. Hein. Voilà les coûts réels. Mais lorsque M. Brice Berthold dit qu'on a sorti 1200 milliards. France 24 reprend cette information à son compte. Parle donc de fiasco sur fond de gros sous. Fiasco sur fond de gros sous. Oui. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Attendez, M. Dipita, ce n'est pas tout. Ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver. Parce que malgré le fait que le chef de l'État, peut-être qu'on en reparlera, a décidé de faire du ministre Ngongo lors du dernier remaniement, ministre, un ministre d'État. Il a maintenu le ministre Ngongo en poste, il a maintenu le ministre Séraphin Fouda en poste, le conseiller technique Ayem Mongé est toujours en poste, enfin, il n'était pas ministre lui. En fait, toute la chaîne qui est décriée est maintenue. Sur quelle base? Le président de la République n'a pas d'information. C'est l'homme le mieux renseigné du Cameroun. Les gouverneurs, le CED, la DGSN, la DGRE, tous ces gens-là alimentent le chef de l'État en information. Alors, laissez-moi en mettre deux. Reprenons peut-être le titre de nos confrères de France 24. Oui. Fiasco sous fond de scandale financier. Oui. Vous contestez le montant.
Vous comptez, il n'y a même pas de scandale, monsieur Dibé. Au moins, il y a un fiasco. Je veux dire que, permettez une seconde. Oui. On a beau faire les démonstrations, on a beau célébrer la compétence de ceux qui auraient sauvé la construction des infrastructures, mais à la fin de la journée... Ces personnes-là, c'est le gouvernement, c'est tout fin, le gouvernement. À la fin de la journée, la CAN n'aura pas lieu en 2019. Oui. Elle aura peut-être lieu en 2021. Oui. Donc, de ce point de vue, on peut parler de fiasco. Oui, mais sauf que c'est d'autant fiasco. Plus que le chef de l'État a engagé la parole du Cameroun. Nous serons prêts le jour dit. Ouais. Donc, de ce point de vue, on peut moins parler de fiasco. Et vous avez tout à l'heure, vous-même, avancé les chiffres. Ouais. Même si ce n'est pas 1200 milliards. Supposons que ce ne soit qu'un seul milliard. Je veux dire que pour nous autres, le milliard, on regarde quand même dans... Hein, c'est quand même aussi un scandale. Non, pour l'instant, il n'y a pas de scandale, monsieur Dipita. Vous voyez, ils ont réussi, y compris... installé dans votre tête qui est un scandale financier. Non, non, vous n'allez non pas, vous n'allez pas non plus, non, non, vous n'allez pas par le capacité de réflexion. Non, 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 ne confondons pas le fiasco qui est l'échec. D'accord. Nous sommes d'accord. Ok. Mais même si ce fiasco procède d'une injustice, il y a fiasco, il y a échec. D'accord. Nous sommes d'accord. Les termes, entendons-nous sur les termes. Oui, il y a fiasco, il y a échec. Tout le monde le reconnaît, tout le monde en souffre. D'accord. Mais dire que parce qu'il y a fiasco, que les causes du fiasco sont liées à des détournements massifs, même le détournement d'un seul milliard. Monsieur Dipita, je vous ai dit, les 400 milliards de Pichini, de Yenegoun, de Montaingil, de Canadiens, cet argent n'est pas au Cameroun, ça n'arrive pas au Cameroun. Aucun Camerounais ne peut avoir 5 francs là dedans. C'est de la coopération internationale. L'argent se gère là-bas, chez eux. Non, mais vous savez également que la force de la corruption, l'intelligence ou la justesse, les détournements, c'est qu'on trouve toujours un moyen pour contourner la loi. Et vous savez, si détournement il y a, où est-ce que ça s'est passé? Ce n'est pas la présidence de la République, je vous explique. Ça s'est passé où? Ça s'est passé dans les ministères, parce que comment ça se passe, monsieur Dipita? Vous voulez déposer un dossier pour construire un stade à la CAN. D'accord. Vous n'allez pas déposer à la présidence de la République, qui n'a aucun service là-bas pour on vous. On en vient parce qu'on voulait, on va essayer de déplumer un peu justement ce contrat, comment il a été passé et tout le reste. Je voudrais en même temps avoir de précisions sur quelques réponses. Oui. Alors, vous dites, ceux qui ont lavé le linge sale en famille avaient deux éléments majeurs, dont l'un était démontrer l'incompétence du chef de l'État. Le chef de l'État est au courant de cela. Mais bien sûr. Et vous dites que parmi ceux-là, il y avait le ministre Motazé, il y avait le ministre, l'ancien ministre des Sports, Bidoum Pacte. Mais si le chef de l'État est au courant de cela, pourquoi le maintient-il? Pourquoi il travaille avec des gens qui ne travaillent que pour le mettre à mal? Le chef de l'État est maître de son agenda politique, monsieur Dipita. Le chef de l'État est maître de son agenda. En même temps, on observe. Mais vous observez quand même que l'un des ministres a perdu son poste, a été muté. Et qu'il y en a d'autres qui sont partis du gouvernement. Le ministre Bouenchou est parti, qui était à l'urbanisme, très impliqué dans ce projet. Le ministre des marchés publics. Ça vous surprend, le ministre des marchés? La CONAC a dit que le ministère des marchés était le ministère le plus corrompu au Cameroun. C'est pas surprenant. Alors, l'autre élément, justement on en vient, sur lequel j'aimerais avoir des précisions, c'est ces montages financiers, ces attributions des marchés. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Première des choses, là où d'où part la faille, si le gouvernement avait préparé un projet pour l'organisation des CAN, avait soumis au président de la République, avec un budget suffisamment à temps, on aurait utilisé la voie réglementaire dans le cadre des procédures de passation de marché. Ça veut dire quoi? Qu'on aurait sélectionné des entreprises pour faire des études, pour les réalisations des différentes infrastructures. À partir de ces études, on aurait lancé des manifestations d'intérêt, on aurait recruté des entreprises qui auraient répondu aux appels d'offres, on serait passé par appel d'offres. Le processus aurait duré à peu près 2 ans. À peu près 2 ans. Mais comme le gouvernement n'a soumis aucune étude, aucun projet,
aucun budget. Qu'est-ce que nous avons fait? Il fallait passer par le gré à gré. Mais au gré à gré, sur le plan réglementaire, ça ne signifie pas qu'on vous donne juste le marché parce que vous vous êtes présenté. Voici comment ça se passe et ce qui s'est passé réellement. Les entreprises déposaient leur dossier au ministère des Sports, qui est le maître d'ouvrage, puis au ministère des Marchés. Ces ministères travaillaient, examinaient toutes les offres et transmettaient les offres à la présidence de la République. Comme ça se passe pour tous les grands marchés. Et le président de la République, on soumettait le dossier au président de la République. Le président de la République donnait son avis. Si l'avis était positif, on renvoyait l'offre au ministère des Marchés où l'entrepreneur devait maintenant aller négocier les coûts définitifs avec le ministère des Marchés. Quand j'ai entendu dire qu'on livre un sac de ciment à 16 000, monsieur dit putain. Ben écoutez, non, monsieur, aller dans la mercurière. Non, il ne faut pas laisser les Camerounais raconter n'importe quoi. Moi, j'ai été observateur. Sur ce point précis, oui. Je veux dire qu'il y a quand même l'un des acteurs premiers, oui. Un constructeur de stade, oui. Monsieur Mkoko, je vais le citer, oui. Il a dit chez nos confrères de Canal 2 International, oui. Que lui, il fait des sac de ciment à 16 000 francs. Il a d'ailleurs fait une espèce de démonstration, non. Pour dire qu'en réalité, ce n'est pas que le ciment qui est estimé, dont on tient compte dans cette somme-là. Oui. Il y a un certain nombre d'autres éléments qui rendent à le coût du ciment. Monsieur, on ne peut pas le nier. Non, monsieur Diputin, j'ai écouté l'interview de monsieur Mkoko en réalité une vingtaine de fois. D'accord. Là, je vous parle en tant qu'universitaire. Pourquoi ? Pour bien saisir, y compris au niveau des mots, des concepts, absolument. Ce qu'il a dit. Qu'est-ce que M. Mkoko a dit? M. Mkoko a dit qu'il ne facture pas le sac de ciment. Il ne facture pas le sac de ciment. Il facture le béton. Or, le béton intègre le ciment, le sable, les graviers, ainsi de suite. Il ne facture pas le ciment. Il facture le béton. Et même quand vous facturez le béton, le mètre cube de béton à un prix dans la mercuriale. Jamais au Cameroun, votre marché ne peut passer si le prix n'est pas conforme à ce qu'il y a dans la mercuriale. Donc personne ne peut livrer, ça je peux vous le dire en vérité, personne ne peut livrer un sac de ciment au Cameroun à 16 000 parce que la mercuriale a arrêté un prix. Si la mercuriale a dit que l'ordinateur, c'est 2 millions, vous venez avec un ordinateur à 2 millions 100 000 francs, jamais ça ne passera. On vous donnera le marché quand vous aurez tenu compte, n'est-ce pas, des prix de la mercuriale. C'est ce qui se fait. Alors, des marchés de gré à gré, estimant environ 600 milliards de francs CFA. Bon, attendez, je n'ai pas, j'ai pas fini. Quand le dossier va au ministère des Marchés, le ministère des Marchés vous appelle et négocie le sous-détail des prix avec vous pour se rendre compte que ce sous-détail des prix est conforme à la réglementation, dont à la mercuriale. C'est quand vous tombez d'accord avec le ministère des Marchés, que le ministère des Marchés renvoie le dossier à la présidence de la République, le dossier est transmis à la Tax Force, où on vous appelle encore pour se rassurer des prix. Généralement, tous les prix à la Tax Force, c'est 25 hauts fonctionnaires, étaient revus à la baisse. Et si vous étiez d'accord, on demandait au ministère des Marchés de contractualiser. Vous voyez, la présidence de la République n'intervient pas pour décider d'attribuer un marché. Ministère des Marchés, ministère des Sports. Les paiements, la présidence de la République n'a pas une caisse. Lorsque vous avez réalisé une partie des travaux, vous délivrez des décomptes au ministère des Sports. On ne les dépose pas à la présidence, au ministère des Sports. Le ministère des Sports étudie, transmet à la présidence de la République, à la Tax Force, qui vérifie, malgré le bureau d'études, l'assistant à maître d'ouvrage qui est là, qui vérifie la conformité des décomptes. Quand tout cela est conforme, transmet le dossier au ministre secrétaire général, qui est l'ordonnateur, qui n'est pas le payeur, et donne l'accord, ça va au ministère des Finances. C'est le ministre des Finances qui, à travers le trésorier payeur général, va payer le marché. Mais au moment où je vous parle, la CAN n'a pas de problème de financement. Il y a un compte séquestre à la BEAC. Mais comment vous comprenez donc que les entreprises manquent d'argent alors que
Il y a un compte séquestre à la BR qui est alimenté. Je vous renvoie la question. Et merci. L'objectif, c'est quoi? C'est de montrer que le trio que nous avons cité est incapable d'organiser la CAN et de livrer les marchés en mars 2019. On a tout bloqué. Est-ce que vous savez, monsieur Dipita, j'ai rencontré un certain constructeur avant de venir dans cette émission pour comprendre un certain nombre de difficultés. Parce que j'ai lu dans la presse que Motaeng, il se plaignait que ses conteneurs sont bloqués au port. Voici le décompte de Motaeng, monsieur Dipita. Non, pas les décomptes, les connaissements. Oui? C'est le connaissement de Motaeng. Alors ici, vous avez la date 4-11, que les conteneurs sont au Cameroun. 4 novembre. 2018. C'est au moment où je vous parle que on a autorisé à Motaeng de faire sortir les conteneurs du port. Malgré l'existence de la task force. Donc le problème n'est pas tout à fait résolu. Le problème n'est pas résolu parce que les gens sont arc-boutés. Et ils vont aller encore plus loin. Ils vont continuer pour montrer que cette équipe ne peut pas. Ils vont continuer à utiliser les caisses de résonance à l'international. Ils ont commencé par France 24. Après France 24, jusqu'aux législatives, je vous le dis de manière prémonitoire, monsieur Dipita, vous allez voir d'autres. Après, ne soyez pas surpris, si après France 24, c'est RFI, après RFI, ça va peut-être être Jeune Afrique, après ça va être TV5, je vous dis, jusqu'aux législatives, ils vont continuer. Ils vont continuer. Parlons des marchés de gré à gré, 600 milliards. On n'avait pas le choix. Monsieur Dipita, j'ai été observateur indépendant auprès de l'ARMP. Pendant pratiquement 4 ans. ARMP, agence de régulation des marchés publics. Voilà, j'ai été observateur indépendant. Je sais comment ça se passe. Je connais toute la réglementation. Entre le moment où vous soumettez une étude et vous réalisez le projet, comptez à peu près 2 ans, si vous êtes très fort, rapide. Or, jusqu'en décembre 2015, je vous ai dit qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Quand bien même, prenons un exemple, on a demandé, la présidence a demandé au ministère des Finances et au MINEPAT de contextualiser, par exemple, Yenegoun. Vous savez combien de temps ça a mis? Ça a mis 11 mois. 11 mois pour que les Turcs là aient leur financement contractualisé, accepté. 11 mois. L'objectif, c'était quoi? Ce n'est pas la présidence. Hein? Le MINEPAT, même chose. Hein? 10 mois. Hein? 10 mois. Le ministère des Travaux, je ne vous en parle pas. Les marchés, même chose. Ils ont créé ces retards exprès pour attribuer les marchés de gré à gré. C'est-à-dire qui? Puisqu'on n'attribue pas la présidence, le gouvernement. Pour attribuer les marchés de gré à gré. Mais sauf que, même en attribuant ces marchés de gré à gré, on ne sélectionnait pas un seul prestataire. Le ministre d'État, secteur général de la République, a exigé que pour chaque dossier, que les maîtres d'ouvrage lui transmettent 3 prestataires. 3 prestataires. Le gré à gré ne signifie donc pas qu'il y a eu vol. Mais seulement, ça accélère la procédure de sélection. Mais on peut aussi penser que, en plus c'est vous qui parlez de vol, hein. On peut aussi penser que le centre du vol s'est déplacé. Non, parce que les gens font le raccourci. Si vous voyez, Boris Berthold... S'il y a possibilité de vol dans un ministère, la possibilité peut être multipliée au niveau de la task force, non? La task force, c'est 25 personnes. 25 personnes qui doivent donc unanimement, vous imaginez, s'entendre pour organiser une casse. C'est 25 hauts fonctionnaires, rang de directeur. Est-ce que vous savez que dans la task force, vous ne le savez pas, vous savez combien de personnes représentent la présidence? Non. Dans la task force, une personne. C'est qui? Sur les 25. Qui sont les autres? Les 25. Les autres, vous avez le MINEPAT, qui a, je crois, 2 ou 3 personnes. Vous avez le ministère des Sports, qui a 3 personnes. Vous avez le ministère des...
marché public. Voilà, les marchés publics. Vous avez le MINDU, vous avez le MINTO, le ministère du Tourisme, vous avez le ministère des Travaux, vous avez le ministère de la Communication. Mon ami, le professeur Félix Zogo, secrétaire général, est membre de la Tax Force. Hein? Vous voyez? Donc, il faut que ces 25 personnes... Et monsieur le député, je vais vous faire une confidence, parce que j'ai rencontré des membres de la Tax Force. Ils sont maîtris. Ils sont maîtris. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Non, du tout. Il y a un qui m'a dit, docteur, est-ce que vous vous rendez compte que lorsque nous nous réunissons à la présidence, c'est tous les jeudis, nous n'avons pas de perdième. Nous n'avons pas de perdième. Nous n'avons pas de carburant. Chacun met son carburant et nous allons travailler jeudi à la présidence toute la journée. On n'a pas un copec de perdième. Il me dit, mais docteur, un comité dans le ministère, c'est minimum 80 000, 70 000, voire 100 000 par jour. Le ministre Ngongo nous fait voir ça dur. Alors, vous avez entamé cette émission en faisant observer qu'il y a un certain nombre de projets, au-delà des projets liés à la CAN, qui ont du mal à être bien menés. Oui. Vous avez cité le port de Kribi, l'immeuble de M. Ayang. Je vous aurais demandé de faire l'inverse, de citer ce qui a marché. Bon. Alors, en fait, j'ai repris cela pour en venir à la question. Oui. Pourquoi le Cameroun a-t-il du mal à ses projets? L'inertie. Je reviens encore sur ma typologie d'inertie. L'inertie, l'inertie, l'inertie. Parce que dans l'inertie, vous avez tout. Vous avez les problèmes d'intérêt, vous avez des problèmes de compétences. Mais on peut observer également que cette inertie-là traverse le temps. Je veux dire que on a beau changer les responsables au niveau ministériel, que l'inertie ne donne pas l'impression de... Est-ce que la responsabilité n'est pas ailleurs qu'au niveau du gouvernement? Si, je pense que la responsabilité... Est-ce qu'on peut situer la responsabilité au niveau du président de la République? Oui. Il est responsable. Et il faut que le président de la République prenne un décret. Si que décret, arrêt de l'inertie. À partir de... Alors, non. Bon, okay. Non, j'ai éclaté de rire parce que j'ai vu l'ironie. Ben, voilà, vous comprenez. On ne change pas les mentalités par décret. Là, je parle comme anthropologue, M. Dipita. On ne change pas les mentalités. Ben, peut-être que ces mentalités, justement, se sont aussi progressivement installées. Parce qu'elles ont vu que l'inertie vient du chef de l'État d'abord. Ça peut aussi être une possibilité. Les ministres ont peut-être envoyé leurs dossiers. Les dossiers ont peut-être longuement traîné et ont été traités au niveau du secrétaire général du président public. Sont arrivés au niveau du cabinet du président en personne. Ont eu beaucoup de temps pour ressortir. Je peux dire qu'à ce niveau, peut-être les gens se sont lassés et ils ont pris goût à l'inertie. L'inertie n'est pas que dans les projets du gouvernement. Je veux dire qu'il y a d'autres éléments que la présidence suit qui arrivent, aboutissent à la même observation. Oui, M. Dipita, sauf si me prendre, j'ai été responsable dans certains projets dans ce pays. Je viens de vous donner la réactivité du chef de l'État. On nous donne la CAN en septembre 2014. En octobre 2014, il crée le Comipcan. Le chef de l'État, le président Biya... Il crée le Comipcan et il s'endort. Il revient en... Non, il crée le Comipcan et le Comipcan s'endort. Quand il se rend compte que le Comipcan s'endort, il devient lui-même exécuteur. On peut aussi observer qu'il a pris du temps à s'en rendre compte. Hein. Il faut toujours d'abord laisser les gens. Oui, il faut toujours d'abord laisser les gens. C'est quand vous voyez que là, c'est volontaire, ils ne peuvent pas, ils ne pourront pas, parce que la présidente de la République intervient toujours en dernier ressort. Je vous ai pris le cas de l'autoroute. Yaoundé Douala, vous voulez que le chef de l'État fasse quoi? Qu'il devienne ministre des marchés? Mais l'autre question que ça me juste également, c'est bien le président de la République qu'on a élu. Et d'ailleurs, ce que je vais dire, c'est une lapalissade. C'est lui qu'on a élu, c'est lui qui doit rendre compte au peuple camerounais. Oui, mais je veux dire que chaque fois qu'il y a échec, oui, il est plus facile de désigner des gens autour de lui, il est plus facile de dire c'est tel ministère qui est responsable,
mais jamais le président. On a l'impression qu'il n'assume que les victoires. Non, il n'assume. Non, 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 c'est complètement faux. Pour la CAN, pour la CAN, il a engagé sa propre responsabilité devant, y compris devant nos partenaires internationaux, en disant le Cameroun sera prêt le jour dit. Et le minimum qu'on aurait attendu, c'est de voir des sanctions vis-à-vis de ceux qui ont fait que le Cameroun ne soit pas prêt. C'est pas l'impression qu'on a eue. Ah, il n'y en a pas eu ? Quelles sont-elles ? Le ministre des marchés publics a été limogé. Donc c'est la CAN. Limogé. D'accord. Il intervient dans la CAN. D'accord. Le Mindu a été limogé. Il intervient dans la CAN. C'est la CAN. Le ministre des Sports a été muté. Pourquoi pas limogé ? Il a un agenda politique. D'accord. Peut-être que il a besoin de lui là-bas pour une autre mission. Peut-être. Mais en fait. Et par ailleurs, le SGPM a été promu ministre d'État. Donc normal, félicité. Normal. Vous voulez que je vous fasse une confidence ? Allons-y. Est-ce que vous savez, je suis tombé sur un document. Je vous dis, je travaille avec les membres de la Tax Force. J'ai des amis qui ont travaillé dans un comité. Organisé par le ministère des Sports. Et ce comité a sollicité des fonds auprès du président de la République pour achever les chantiers de la CAN. Donc c'est un ami dans l'un de ces ministères qui m'appelle, qui me dit, docteur, ça ne va pas. Je crois que nous avons un problème. Nous avons essayé d'expliquer à nos responsables que nous n'avons pas besoin de 400 milliards pour achever les projets de la CAN. Ils nous ont dit, mettez 400 milliards. Je lui ai dit, non, ce n'est pas possible. Il me dit, est-ce qu'on peut se voir? Je dis, oui. J'arrive, il me donne le document. Le ministère des Sports demande 400 milliards pour achever les chantiers de la CAN qui sont déjà complètement financés. Et j'examine le dossier, je me rends compte que le ministère des Sports, le ministère des Marchés, ont exactement les mêmes montants au something près, les mêmes tableaux, alors que c'est des ministères qui n'ont pas les mêmes missions, monsieur Dipita. Je continue mes investigations plus loin. Je rencontre un autre ami, toujours dans le même ministère, qui me dit, docteur, vous savez à quoi ça va servir cet argent? Ça va servir à payer les avenants. Il y a des gens dans des ministères qui se sont entendus avec les entreprises pour mettre en place les avenants. Et monsieur Dipita Tongo, tenez-vous tranquille. Il y a des entreprises aujourd'hui, alors qu'elles n'ont même pas encore achevé les travaux, qui ont déjà des avenants de 30-40 milliards. Je vous le dis. Mais c'est là que se situe l'occasion du siècle. C'est là. 30, 40 milliards d'avenants. Vous avez un marché de 100 milliards. Vous avez les avenants. Mais dans un environnement où l'opération EPRV a quand même souvent fait preuve de célérité, a fait preuve de. On se sera attendu à ce que l'oiseau reprenne son vol. Tenez-vous tranquille, j'en suis persuadé, ça arrivera. C'est une annonce. Je ne peux pas faire d'annonce, je suis qu'universitaire. Mais je vous dis, tenez-vous tranquille, vous savez peut-être pas ce que le président de la République a vécu avec cette décision de la CAN. Mais sa tempérance cache certainement quelque chose. Nous avons besoin pour l'instant d'achever les chantiers. J'espère que nous allons pouvoir les achever. D'ailleurs, tout le monde dit qu'en principe, par mars, ces chantiers seront mis à la disposition de la CAF pour dire que le Cameroun, effectivement, va tenir sa parole, du moins. Oui. Si nous aimons le président. Si nous avons encore une parole, que le Cameroun va essayer de tenir ce nouveau délai-là. Nous en avons. Vous pensez que mars, on aura nos stades? Je deviens sceptique. Avec ce que je vous ai dit là, on a fait perdre à Mota Engil deux mois, on a bloqué les conteneurs au port. Yenegoun, je vous ai montré les connaissements. On les a fait perdre deux mois. Ceux à qui on a permis justement de travailler normalement. Vous avez vu, Bonamoussa dit, Mbappé Lépé s'est livré. Les Chinois, SMEC de Bafoussam,
on leur a fait perdre également 2 mois. Vous savez ce que c'est que 60 jours lorsque vous n'en avez que 90? Pourquoi on bloque 2 mois et on libère après sans rien dire? Alors que le Premier ministre avait mis une procédure en place pour tous les projets, enfin la marchandise entrant. Concernant la CAN, le Premier ministre Yang a exigé du ministère des Finances, donc de la douane, du port, qu'on sorte d'abord les marchandises et qu'on fasse les procédures de dédouanement en régularisation. C'est ça qui a permis d'aller si vite. Mais vous avez vu les camions. On peut aussi observer que la relation a été transparente dans tout ce processus. Hein. Qui ça? Le Premier Sian. Ou alors son départ a-t-il aussi une sanction? Enfin, je pense qu'il avait déjà mis suffisamment de temps. Il avait déjà mis suffisamment de temps. Parce que l'agenda politique avait besoin d'un nouveau souffle. Je pense. Et tout cela peut également se tenir. Et bienvenue au ministre, au Premier ministre John Gouté. Ça ne serait pas facile. Hein. Alors on va prendre quelques SMS, hein, évidemment. Il y a des SMS. Donc, il y a quelques-uns qui rentrent dans le cadre des questions que j'aurais pu poser. Hein. D'accord. Bonsoir, monsieur Dipita. À quel titre docteur Tolo a accès à toutes ces informations? Thierry depuis Essos. Alors, à quel titre, je l'ai dit, en tant que coordonnateur de la campagne de quelqu'un qui a été 2 fois candidat à la fédération, à la présidence de la fédération camerounaise de football en 2015, dans ce mois qui devait lui préparer tout son dossier sur la CAN, en 2018. Nous étions encore candidats, on nous a injustement éliminés, hein, mais j'ai encore travaillé sur le dossier, donc de manière quasi permanente, par rapport justement à cette veille. Je continue à travailler sur ce dossier. Lorsque j'ai écrit le 30 novembre, quand M. Hamad a décidé de nous retirer la CAN, j'ai écrit sur ma page Facebook que nous irons aux TAS. Les gens ne m'ont pas demandé à quel titre j'irai aux TAS. Est-ce que le docteur Tolo, dans ses déclarations justifiant l'inertie du ministre Motazé, intègre la priorité des dépenses dues à la guerre? Je veux dire que le ministre Motazé, justement, parce qu'en même temps, il a d'autres sollicitations. Hein, oui. Le football n'est pas que sa priorité. Tout à fait. On a Boko Haram à l'extrême nord. Oui. On a la situation relativement instable dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mm-hmm. Peut-être qu'il y a d'autres préférences. Mm-hmm. Enfin, le budget ne s'improvise pas. Le budget ne s'improvise pas. D'accord? Effectivement, quand Boris Berthold dit qu'on a, on a décaissé 1200 milliards... On va pas faire une émission Boris Berthold, là, je vous en prie. Alors, permettez même que je ne le cite plus. Alors, qu'on a décaissé 1200 milliards... D'accord. Ces 1200 milliards sortiraient d'où? Avec tout ce que nous avons comme contrainte sécuritaire. La crise dans les régions anglophones, la guerre contre Boko Haram. À l'Est Cameroun, vous savez, nous avons encore la pression des rebelles. Vous avez suivi dans la Damawa, il y a des enlèvements, il y a beaucoup de choses. Mais, effectivement, le ministre Motazé, dans son rôle de ministre des Finances, avec le peu de ressources qu'il dispose, doit pouvoir gérer tous ces problèmes. Nous sommes d'accord. Sauf que, pour la CAN, les financements sont bouclés depuis dans un compte séquestre. Essayons d'être un peu bref dans la réponse. Allez bien, d'accord. Bonsoir, Dipita. Les réalisations sont à quel pourcentage réel aujourd'hui? Alors, si vous prenez certains chantiers comme Bonamoussadi et Akwa, ces chantiers sont quasiment achevés. Si vous prenez Olembe, ils ont fini avec le siège, il est couvert. À l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Maintenant, ils vont passer à l'habillage. C'est la même chose également pour Japoma. Les Canadiens sont en train d'achever également les travaux à la réunification. Les travaux de Potomac sont quasiment achevés. Il y a les pelouses, tout est prêt. C'est l'hôtel seul qui a pris un peu de retard, mais qui est en voie d'achèvement. Motaengil est celui qui a légèrement de retard. Comme je vous ai dit, ses conteneurs sont bloqués depuis 2 mois. En réalité, s'il avait reçu ses conteneurs en mars... Alors, si on n'est pas prêt à mars, quand est-ce qu'on sera prêt? Mais de toute façon,
On sera prêt, à mon avis, on sera prêt, à mon avis. Peut-on au moins tenir avant juin-juillet pour dire à la CAF? Il le faut. Bon, il le faut. Donc, c'est pas certain. Il le faut. N'est-ce pas juste le quilave de certaines personnalités de qui vous êtes proche? Alors, parmi ces personnalités, je vais vous dire, le ministre Ngongo, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Lorsque j'étais aux affaires, il n'était pas au Cameroun. Je ne l'ai jamais rencontré. Le ministre Séraphin Fouda, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je l'ai rencontré une fois à la présidence, en présence du ministre Moutazé, qui était là, en présence du ministre Alamine, qui était là lorsque j'étais conseiller à Camerco. Une seule fois que je l'ai rencontré. Donc en réalité, ces personnes, je ne les connais pas, nous n'avons pas de relation. Et d'ailleurs, les gens ont dû constater, je vais vous le dire, qu'aucun d'eux ne m'a invité. Non, je ne demande pas qu'il m'invite. Bonsoir. Plus on cherche à justifier cette honte mondiale qui s'est abattue sur notre pays à travers le retrait de la CAN, plus on crée les AVC chez les Camerounais. Benoît Titi, depuis Abidjan. Alors, on va également essayer de lire un peu plus vite. Il en pleut pendant qu'on lit. C'est vraiment ce que je pensais, comme le monsieur qui est en conférence. Bonsoir au docteur. Le pays a besoin des hommes comme vous. Bon, on va prendre des questions. Hein. Bonsoir, monsieur Tolo Eloi. Votre émission nous éclaire grandement. Est-ce qu'on peut avoir des questions? Je serais... Bonsoir, je comprends pas exactement le fond de cette déclaration. Les mêmes du RDPC. Bien pas comptable des échecs, qui donc? Si bien n'est pas comptable des échecs, qui donc? Alors, vous voulez que je... Absolument, ça c'est une question. Je ne fais pas partie de ceux qui disent que le président de la République n'est pas comptable des échecs. Il assume ses échecs et à chaque fois, il est reparti devant le peuple pour dire au peuple, voici ce que j'ai fait. Voici ce que je n'ai pas pu faire. Voici ce que je n'ai pas pu faire, ce que je souhaite faire. Et il remet son mandat. C'est au peuple camerounais de le sanctionner s'il ne veut plus de lui. Mais tant que le peuple pense que ce qu'il fait est conforme par rapport à ses attentes, vous avez vu, ce n'est pas qu'il n'est pas content. Il est temps que le chef de l'État prenne ses responsabilités afin de ne pas être considéré comme complice. Avez-vous le sentiment que le président a véritablement pris ses responsabilités? Si tant il est vrai, par exemple, que tous ceux, ou du moins, il y en a certains que vous avez désignés ce soir, n'ont pas véritablement rendu gorge. Je veux dire que partir. Une mutation n'est pas forcément une sanction. Rendre gorge de quoi? Je vous ai dit que pour en l'état actuel des choses, personne ne peut apporter la preuve que les membres du gouvernement ont détourné de l'argent. Personne ne peut apporter la preuve qu'il y a eu des détournements à la présidence de la République. Les mécanismes sont tels que pour cette CAN, il ne peut pas avoir des détournements en l'état. Mais le moment venu, la présomption d'innocence, s'il vous plaît. Achevons les chantiers après qu'il y ait des enquêtes, que le Parlement, s'il veut, mais à la fin des chantiers, fasse un audit, son enquête, les différents services de renseignement, qu'on établisse, si jamais il y a des responsabilités, qu'on les établisse en termes de détournement ou de corruption et qu'on soumette les dossiers au président de la République. Je vous dis, les gens seront sanctionnés. Si le président n'a pas encore les réponses à ces enquêtes, sur quelle base il a donc décalé les ministres sanctionnés et limogé d'autres? Le ministre des Marchés, vous avez lu le dernier rapport de la CONAC? Oui, bien sûr. Il a dit quoi? Que le ministère des Marchés publics est le ministère le plus corrompu. Et je rappelle que le ministre des Marchés publics, c'est bien le président public, non? Bien sûr. Le ministère délégué. Mais bien sûr, c'est le ministère délégué. Donc vous voyez qu'il l'a fait. Alors, c'est avec regret que nous suivons l'intervention malheureuse de ce monsieur qui passe tout son temps à dédouaner le président sans toutefois nous expliquer les motifs de cette grande honte nationale. J'expliquais. Mais s'il veut, j'explique encore. On a plus 90 minutes. D'accord. On est presque à la fin. Je vais prendre encore peut-être deux ou trois questions. D'accord. On va prendre des questions qui... Demandez à ce monsieur si on aura aussi les routes et les lampadaires. Oui. Oui. Et ça, d'abord, première des choses, les routes ne figurent pas dans les exigences de la CAF. D'accord. Mais le Cameroun s'est engagé. Alors, moi, j'ai pris l'avion, vous voyez, pour venir
sur Douala. Hein, vous allez sur la route de l'aéroport à Yaoundé. On est en train de faire les travaux. On attendait en réalité la fin des pluies. Et je vous assure, toutes les routes, allez à Yaoundé, allez à Issos, hein, alors, on aura les routes. Bafoussam, Garoua, partout on attendait la fin de pluie. Il y aura des routes. Je peux vous le dire. Demandons docteur Tolo, à combien revient le camion de sable? Ne fait-il pas aussi partie du béton? Le coût n'était-il pas de 750 000 par camion? Le ministre des Marchés est délégué à la présence, donc bon, je l'ai dit. Vous savez que là, également, il y a eu une polémique. Hein? Mmh. Camion de sable à 750 000 francs. Vous savez peut-être qui a facturé le camion de sable à 750 000? Non, c'est qui? Est-ce que vous saviez que Montaengil, les Portugais, ont fait venir du gravier de Yaoundé parce qu'on a refusé de leur vendre du gravier à Garoua, en Yaoundéré? Et que Montaengil est venu prendre du gravier dans des camions à Garoua pour aller construire, pour aller réhabiliter le stade de Rundadia. Vous le savez? Mais jusque-là, il n'a pas facturé à 750 000. Je vous dis, on ne facture pas a posteriori, on ne facture pas après. On facture avant. Et pour que votre marché soit accepté, il faut que les prix, dans le sous-détail des prix, soit conforme à la mercuriale. Le camion a-t-il véritablement coûté 750 000? Non, c'est faux. C'était combien le montant? C'est faux. De toute façon, je ne connais pas... Le prix? Non, je ne connais pas un entrepreneur qui a facturé... Un camion à 750 000. 750 000. L'organisation de la CAL, l'organisation de la CAN, confiée entièrement aux fonctionnaires qui ont des tâches quotidiennes, n'est-il pas un gageur? Ça, c'est une problématique qui s'est posée. D'ailleurs, oui, et c'est même très bien. Je crois que le fait qu'on ait créé à la présidence de la République un comité qui s'occupe des projets de la CAN, qu'on ait créé à la, au niveau du Premier ministère, l'UTO, l'unité technique opérationnelle, qui s'occupe de la CAN, monsieur Diepita, puisque les fonctionnaires sont occupés, qui se retrouvent ponctuellement pour gérer en urgence les projets, il y a une diligence. Moi, je souhaiterais même que ces structures-là deviennent pérennes. Et que tous les projets, les grands projets qui traînent, comme l'autoroute Yaoundé-Douala, donnons ce projet à l'UTO, à la primature pour les aspects techniques, pour les aspects managériaux, à la Task Force, à la présidence de la République. Monsieur Diepita, dans 2 ans, vous avez l'autoroute qui arrivera à Douala. Oui ou non, le SGPR a signé le gré à gré? Oui ou non, le SGPR fait partie de la chaîne de la CAN 2019? Êtes-vous l'avocat du SGPR? Dites à ce monsieur que le SGPR ne signe aucun marché de la République. Il ne signe aucun marché de la République. On dépose les marchés au niveau du ministère des Sports, au niveau du ministère des Marchés. Le SGPR ne signe aucun marché. Ce n'est pas lui qui attribue les marchés. Ce sont les ministres qui attribuent les marchés. Et avant la révision de la loi portant organisation des marchés publics au Cameroun, celui qui avait le monopole, vous le savez, c'était le ministère, le ministre des marchés. Donc c'est le ministre des marchés qui a attribué en collaboration avec le ministre des Sports tous les marchés de la CAN. Il a été dit qu'en 2015, M. Motazé, partant du premier ministère, a transmis les études complètes sur la CAN. Pourquoi dites-vous aujourd'hui que son inertie est la cause de l'échec? Cité parmi les projets du ministre Motazé, citer un seul projet qui est en train de construire l'une des infrastructures aujourd'hui. Il n'y en a pas. Et je puisse vous dire qu'il y avait des surprises. Hein. On avait parfois des stades qui étaient à 200 milliards. Hein. Nus. Hein. C'est-à-dire? Ben, le coût d'un stade nu. Bon, non, je ne veux pas dire que le ministre Motazé a pris des engagements. C'était des offres. C'était des propositions qu'on lui a déposées. Il a transmis ces dossiers à la présidence de la République. Il n'a pas décidé. Il n'a pas décidé. Bonsoir. Il les a transmis de manière brute. Que Monsieur Tolo défend son parti, le RDPC, et laisse le MRC, le professeur Maurice Kamto, tranquille. Je n'ai pas parlé du MRC, à ce que je sais. Vous avez effleuré le MRC en début d'émission. Je pense que... C'est de bonne guerre, hein, nous sommes en République. Je pense que Biya est responsable de tout ce qui nous arrive à propos de la CAN. C'est un message. Hein. Oui, mais Biya n'a rien à voir là-dedans. Quand vous dites que nous serons prêts,
Est-ce que vous tenez compte aussi des finitions de voies d'accès? Tout à fait. Tous les voies d'accès vont être prêts. Et d'ailleurs, tous les voies d'accès vont être prêts là pendant la saison sèche. Tous les voies d'accès. Bon, je pense qu'il nous reste environ 5 minutes. La réalisation va certainement me taper sur les doigts si on les déborde. Mm-hmm. Monsieur Tolo. Oui. Que le docteur nous dise à quel niveau d'attribution. Bon, ça, je voulais encore. Il y a une autre question qui avait été posée qui m'a paru un peu intéressante. Qui est donc le responsable de la mise à l'écart du Cameroun si tous les intervenants. Voilà. Qui est donc le responsable de la mise à l'écart du Cameroun si tous les intervenants sont blanchis dans les propos de notre interlocuteur de ce soir? Qui donc doit rendre compte au peuple? Paul Kamdem. Le président de la République rend compte au peuple et celui qui est responsable, c'est M. Ahmad. Il s'agissait de la chronique d'un retrait annoncé. Les Camerounais semblent être surpris qu'on nous a retiré la CAN. Mais dès son élection... Là, je peux rentrer dans ce débat. Je veux dire que la chronique était certes annoncée, mais en même temps on peut dire avec justesse qu'on a donné le fouet qui nous est retombé dessus. On savait que Ahmad avait avec un agenda et on n'a construit aucun stade. Sauf que les bourreaux que vous désignez aujourd'hui étaient aussi complices de Ahmad. Non, sauf que Ahmad nous retire la CAN 7 mois avant contre les textes de la CAF. Si 7 mois avant on avait bouclé tous les stades, ce serait certainement pas la raison qu'il aura. Si l'Opendis qui devait nous doter de 10 stades il y a 10 ans avait construit les 10 stades. Et non les ridicules infrastructures que nous avons à Bafoussam et à Limbé. Nous n'en serons pas là. Dites à M. Tolo qu'il prend des engagements qui dépassent sa compétence politique. Je suis du parti au pouvoir. Je ne sais pas quelle compétence politique. Alors, docteur Tolo, oui. Vous-même, oui. À la fin de la journée, oui. Quand vous faites l'autopsie de tout cela, oui. Vous faites le bilan de tout cela. Oui. Vous dites qu'il y a des ministres qui ont été bons. Oui. Et des ministres qui ont été mauvais. Oui. Ceux qui ont été bons ont été récompensés. Oui. Certains ont été sanctionnés. Oui. Vous laissez les projets de la CAN. Oui. Vous allez sur la téléphonie. Oui. Vous constatez qu'on n'a toujours pas de fibre optique à la hauteur de nos ambitions et de nos besoins. Oui. Vous allez sur les transports. On aura pu parler de transports. Vous en êtes un expert. On va certainement refaire d'autres émissions. Oui. On se rend compte qu'il y a un TGV à Dakar, ici au Sénégal, oui. Et on en a pour Cameroun. Nous n'en avons pas besoin. On va, quel que soit le projet, oui. On se rend compte que le Cameroun est à la traîne. Oui. On n'a pas d'énergie, oui. Du moins suffisance, oui. Pour nos ménages et les entreprises. Oui. Alors, quand on fait ce point à la fin de la journée, oui. On n'est pas en droit de se dire que Paul Biya est le responsable de tout cela et qu'il doit tirer les leçons. Je vais répondre, mais je voudrais faire un petit... correctif, il n'y a pas de TGV au Sénégal, il y a un TER, d'accord, qui va relier le nouvel aéroport Blaise Diagne. C'est déjà une meilleure avancée que ce que nous avons ici. Oui, mais sauf que vous voulez que nous ayons un TER pour aller à l'aéroport ici? Non, ce serait plus mal. Non, il y a un projet, hein, vous le savez. On aura certainement d'autres émissions. J'attends en fond sonore le générique. Ok. Je disais, oui. Qu'à la fin de la journée, oui. On n'est pas en droit de se dire que le président est responsable de tous les échecs qui arrivent à notre pays et qu'il doit en tirer les leçons. Et c'est à qui de décider? C'est le peuple. C'est le peuple. Il peut en décider aussi. Non, c'est le peuple. Monsieur Diopita, je suis anthropologue. Ce pays change. Ce pays change. Mais en fait, le travail est tel que quand on est en ville et qu'il y a une poubelle qu'on ne ramasse pas, on a comme l'impression que rien ne marche. Vous êtes-il otage de ses collaborateurs? Non. Le président est complètement libre, vous le savez. Il est complètement libre. Conscient de ce qu'il y a parmi eux qui veulent sa tête, mais qui de temps en temps les garde dans... Conscient du fait qu'il y a des Camerounais qui veulent sa tête, ce qui est normal, comme alternative, ce qui est normal, nous sommes en démocratie. Conscient aussi que parmi ses collaborateurs, il y en a qui ont des stratégies alternatives pour remplacer, par exemple, son ministre secrétaire général. Il en est question. Docteur Rémi Cyril Tolo, merci. J'avais annoncé qu'on aurait pu parler d'autres sujets, mais la CAN non seulement est encore passionnante, mais le boulot est encore grand. J'espère qu'on pourra parler transport et bien d'autres
sujet dont vous avez au moins une connaissance. Je serai toujours heureux de venir éclairer la lanterne de nos compatriotes, de nos concitoyens sur ces sujets. Je pense que nos concitoyens ont besoin d'avoir souvent un autre son de cloche. Vous savez ce que Balavoine avait dit? Non. Dans un monde où chacun est menteur, ceux qui disent la vérité deviennent des charlatans. Je vous retourne sur Yaoundé. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir regardé cette autre édition d'Entretien avec. Ce soir, c'était le docteur Élie Cyril Tolo. Et on a beaucoup parlé des dérives ou des échecs de l'organisation de la CAN. On espère que le glissement va permettre ce rattrapage, qu'on est au stade et que le Cameroun va abriter cette compétition en 2021. Jeudi prochain, 21h. Lundi 22h30 pour la première rediffusion, mercredi 14h30 pour la deuxième rediffusion. Bonsoir.